Merci beaucoup. Pas de rien. Bon voyage. Bon voyage. Coucou tout le monde. On est à côté du canal de Nantes à Brest. Hier soir, on est arrivé. Il faisait nuit. On est arrivé de nuit donc chez Nora et Julien qui nous ont accueillis pour la nuit. Avec une raclette. Avec une raclette. Ils étaient super sympas. C'était une super soirée. Et donc là, on repart en direction du canal de Nantes à Brest vers Mur de Bretagne. Ouais. Parce qu'ils nous ont recommandé. On est un peu sortis de la Vélodyssée. Voilà, ils nous ont recommandé plutôt de passer par là. Apparemment, c'est plus sympa. C'est plus sympa. Et ça a l'air chouette, en effet. Bon, par contre, Lucie, on a découvert que son pneu était plat ce matin. On l'a réparé et ouais, apparemment, il est en train de se dégonfler. Donc on va bien s'amuser. Réparer tout ça. Coucou. On avance, on a réparé le vélo, on a fait une petite pause pour manger des pâtes. Et là, on a trouvé sur notre chemin un menhir. Un menhir de 8,60 m qui apparemment serait un des plus gros de Bretagne. Alors là, on s'enfonce dans un petit chemin. On a demandé notre chemin à des Anglais. Et ça nous emmènera vers un petit pont qui nous fera passer le cours d'eau afin de retrouver le canal. Bon, voilà une des nombreuses écluses qui longent le canal de Nantes à Brest. On l'a trouvée particulièrement jolie, donc on voulait la partager. Et voilà, donc pour nous, on est vers Mur de Bretagne, notre direction. Apparemment, ça risque d'être plus long que prévu, et il est déjà 16h15, le soleil il est assez bas. On sait pas trop où on va dormir, donc on va bien voir. On vous tiendra au courant. Coucou tout le monde. Coucou. Bon, là, on est à l'hôtel, du coup. Donc, ce qui s'est passé, on était sur le canal de Nantes à Brest, donc c'était très joli. Et puis, la nuit commençait à tomber. Et puis... on a croisé des gens sympas qui nous ont conseillé de revenir sur la Vélodyssée, ce qu'on a fait. Donc c'était très beau. On était sur la voie verte, qui est en fait un ancien chemin de fer. Et puis finalement, il faisait complètement noir, et il y avait des côtes et tout ça. Donc on a vu de la lumière dans un bar, on est rentré. Et puis voilà, on s'est fait payer des verres par des Bretons, c'était sympa. Puis ils ont appelé un peu toutes leurs connaissances qui avaient des gîtes, des hôtels, tout ça pour nous trouver une place. Et puis ils nous ont trouvé une place dans un hôtel et le gérant est venu nous chercher en camionnette parce que c'était un petit peu loin. Donc voilà, on est à l'hôtel, on mange nos céréales. Bonne soirée. Oui, et puis demain on a beaucoup de kilomètres qui nous attendent, peut-être 75. Du coup on va partir. Avant midi. Non, on est sur 55 avant midi et puis 20 après pour aller rejoindre des gens de ma famille et des oncles. Et puis du coup, on va se lever très tôt. Voilà, bonne soirée.